Je prends, alors là, moi, j'ai pris un petit couteau d'office, hein, tout simplement, parce que pour faire des petites choses de précision, on est plus près du produit et c'est quand même plus facile. Tout bon, la grosse lame. Hop, c'est quand même pas évident. Donc, je prends mon couteau et je vais venir inciser comme ça ma gousse d'ail. Alors, si elle est dodue, je vais venir aussi l'inciser, hop, dans l'épaisseur. Donc là, on fait bien attention à ses doigts. Et ensuite, je vais revenir comme ça pour faire comme si j'allais l'émincer. Et comme j'ai déjà fait des petites coupes, ça va lâcher. Donc, je le fais très doucement. Donc là, en fait, tu remarques que j'ai mis mes doigts de telle façon à ce que je ne me coupe pas. C'est-à-dire que la seule chose qui rentre en contact avec la lame, ce n'est pas le bout de mes doigts, mais c'est mes phalanges qui sont au-dessus. Hop, on va faire pareil avec l'autre moitié. Hop, et c'est parti. Alors là, la découpe, moi, c'est un truc que j'adore. C'est découper comme ça, c'est... Je trouve que c'est tellement agréable de voir que, en quelques coups de couteau, on arrive à faire des tout